Bonjour à tous. Une question a été posée dans ma synagogue. Ah, ça c'est chez tout le monde. Dans ma synagogue, Laura ne fait pas la chazara. Est-ce qu'il est possible de ne pas la faire? Merci. Bon, ça c'est un peu chez... dans plusieurs synagogues. Est-ce qu'on doit faire chazara? Est-ce qu'on ne doit pas faire chazara? Il est rapporté comme ça que Chachamim, nos sages, ont décrété donc de faire la chazara tasha. C'est quoi chazara? C'est on va faire la Amida. Et après, le Shalar Tzibur, donc l'officiant, va refaire la Chazara avec Nagdishar ou bien Keter, etc., selon la Tfila. Chachamim, ils ont décrété ça, pourquoi? Parce qu'avant, les gens n'arrivaient pas donc à lire, certaines n'arrivaient pas à comprendre l'hébreu. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le Shalar Tzibur? Il refaisait donc la Amida pour rendre quitte les gens qui n'arrivaient pas à lire. Au jour d'aujourd'hui, on peut trouver cela, mais très rarement. Surtout dans des synagogues que Baruch Hashem, les gens arrivent tous à lire. Donc, est-ce qu'on a le droit, c'est une très très bonne question, est-ce qu'on a le droit donc de ne pas faire cette chazara-là? Il faut savoir que, comme on l'a dit dans d'autres questions précédemment, on a dit que tout ce qu'ils ont décrété nos sages, on ne doit pas annuler, même si la raison du décret a été annulée. Par exemple, dans notre cas, nous, la chazara a été décrétée par nos sages pour rendre quitte les gens qui n'arrivaient pas à lire. Maintenant, on se trouve dans une synagogue où tout le monde sait lire. A-t-on le droit d'annuler donc ce décret-là de nos sages? Il faut savoir que les Chachamim, nos décisionnaires aujourd'hui, nous dit qu'il est interdit donc d'annuler ce décret-là de nos sages. C'est pour cela que il faut être mahmir et vous faire en sorte. Il écrit même comme ça dans l'Alichot Olam, Maran Hara Ovadia Yosef Zatzal, Alichot Olam Aleph, Parashat Terumah. Il nous dit que des synagogues qui font ainsi, il faut leur parler, il faut leur dire que c'est très important de le faire. Il faut faire la chazara bien comme il faut, il faut pas annuler donc ce que nos sages ont décrété. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'être dans une synagogue où ils font la chazara et la synagogue où ils ne font pas chazara, il faut leur dire, il faut leur faire comprendre, bien sûr, Bederke Noam avec gentillesse, il faut leur faire comprendre que la chazara est importante et il faut la faire. Chazaka Baruch.